On est dans l'agence Rexel Laval, en Mayenne, et nous avons installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de notre agence, qui fait 900 mètres carrés à l'heure actuelle. Alors on est sur l'autoconsommation pour une partie qui va être aux alentours des 17 kg, et puis une autre partie qui fait 100 kg qui est là de la revente directement à EDF. La partie vente totale, elle est à peu près à 600 m² et la partie autoconsommation 200 m². Le local technique ici est constitué de 4 onduleurs, 3 pour la vente totale, 1 pour l'autoconsommation, d'un TGBT dédié solaire et du disjoncteur de branchement Enedis. Pour que l'autoconsommation soit viable, il faut absolument lever le voile sur le comportement énergétique et électrique. Alors Enerfox est une petite box qui vient à être installée sur le site et va avoir deux compteurs, un compteur sur la consommation qui va prendre à peu près 27 points de mesure et un autre qui va être sur la production. Et après on a une restitution sur VisualBox pour vraiment nous montrer l'intégralité du profil énergétique. Pour Rexel, le photovoltaïque c'est tout d'abord un argument économique qui permet de produire une électricité décarbonée et ensuite répondre à une baisse des charges de notre bâtiment. Mais c'est aussi un argument réglementaire qui permet de répondre à la loi biodiversité. Et le dernier argument pour le photovoltaïque, c'est un effet sociétal qui permet à Rexel de contribuer à l'effort de lutte contre le réchauffement climatique.